À Paris, après 25 ans de délégation au secteur privé de notre gestion de l'eau, nous avons décidé de revenir en gestion publique de l'eau, parce que c'est un bien commun. Et depuis 2 ans, nous avons un vrai service public local de l'eau qui nous permet d'avoir une gestion efficace, avec des gains économiques, avec une meilleure évaluation démocratique, avec un contre-pouvoir citoyen et avec une vraie réforme qui nous permet d'avoir un droit à l'eau pour tous et un accès social à l'eau pour tous. Donc nous, en tant que ville de Paris, nous pensons qu'il est possible d'avoir une gestion publique de l'eau dans le monde, évidemment avec des contextes différents, mais qu'il est possible de faire participer les collectivités locales avec ses habitants pour une gestion solidaire, de long terme, et publique et citoyenne de l'eau. Fort de cette expérience parisienne, j'encourage toutes les bonnes initiatives, comme le projet des communautés bleues, à pouvoir promouvoir une gestion publique de l'eau citoyenne, solidaire, qui préserve l'eau, notre bien commun, pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations futures.